Bonjour et bienvenue, on est reparti dans notre petite aventure. On est à la fin de cette contrée, donc on va continuer ça. Ouais, on est dans la ville principale, on n'a rien, on avait tout fait la dernière fois. On a pas mal d'argent, on a pas mal d'argent. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Oh, okay. Bah je crois qu'en fait faut juste attendre cette fois. Bah tiens, on peut aller vaincre la bande là vite fait. Voilà, mais je crois qu'on va avoir un message qui devrait apparaître. Et une fois qu'on aura sanglier. Une fois qu'on aura terminé du coup ce qu'on va faire ici. Alors je sais pas si ce sera un épisode de farm ou alors je pense que. Ah bah voilà. Bah au final on fait ça. Je sais pas si on fera un épisode de farm ou pas. Mais je pense que je jouerai de mon côté. Ou je récupérerai de l'argent et je récupérerai des gens en plus en fait. Alors, je vous ai fait appeler mercenaires, car je ne peux confier cette mission ni à la garde ni à la fraternité. Arrêter une princesse d'Alazar est aussi dangereux qu'inédit. Vos découvertes, que ce soit auprès des trackers de Rosel ou de Joren, pointent toutes vers Branhild. C'est elle qui a empoisonné Vertruse dans le but de me faire payer très cher le remède. Oh. L'enlèvement de Corren est la clé de cette affaire. Ouh, ça c'est peut-être nous, faut pas le dire. En la faisant disparaître, je suis libre au regard de l'œil de prendre une autre épouse, la fille de Brunhild. Unir Vertruse et Alazar est la première étape de leur rêve, renforcer le royaume du Nord. Reformer, pardon, le royaume du Nord. Ok. C'est à vous de les ramener à la réalité. J'ai déjà envoyé des hommes encercler la demeure. Arrêtez-la par tous les moyens mercenaires. Tuez-la s'il le faut. Ouh, un laissez-passer, cool. Un laissez-passer. Est-ce qu'on a une contrée où il faut un laissez-passer? Je crois pas. Hein. Ah, mais en fait, on est. Je crois qu'on est censé faire ici en premier. Et après, il nous donne un laissez-passer pour aller genre. Genre ici, je pense. Je pense que c'est comme ça en fait. Alors, hop. Ça a plus de chance, en fait, de plus de sens. Champignons. Ah ben oui, c'est là du coup. Ok. Oh, elle a un couteau. Comme c'est ironique, Clément envoie mes propres complices m'éliminer. Je suppose que vous ne vous êtes pas vanté de l'enlèvement de sa fiancée. J'en étais sûr. Maintenant, vous allez gentiment massacrer les hommes de Clément et me laisser partir. Pourquoi? Parce que vous avez désespérément besoin que je parvienne à m'enfuir. J'amène Corren et toutes les preuves qui nous lient, pardon, vous et moi, personne ne saura jamais quel rôle vous avez joué ici. Et si cela ne suffit pas à émousser votre sens de la justice, je vous offre une belle récompense et vous ouvre les portes d'Alazar. Qu'en dites-vous? C'est la même chose en fait, on prend part à. D'un côté ou de l'autre. C'est les mêmes récompenses. Bah, j'ai envie de dire que elle, je l'aime pas vraiment parce qu'elle a l'air d'être super dangereuse. Ouais. Elle est trop dangereuse, elle. Ouais, c'est parti. Et puis si les autres ils sont pas heureux parce qu'on a kidnappé machin, bah c'est pas grave. On tuera tout le monde. Alors,
la noble. Attends, là il y en a 4. Ça me manque le monde à droite. Orline, elle est où? Je vais la trouver. Hein. Orline, elle est là. On va la mettre ici, plutôt. Ok, deux tours. Ah, ok, non, on est bon. Let's go. On va avoir un peu de de saignement, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Très bien. Pas mal. Joli. Hop là. Très bien. Ah, j'aime pas, on est à côté de la forêt. Il y a ce bruit d'oiseau ou de je sais pas quoi là, piu piu, c'est horrible, horrible. Je déteste ce bruit. J'ai l'habitude de rester à distance pour la lance, mais cette lance, elle fait pas ça. Putain, on a 116. Ouais, chaud. Ouais, mais non, du coup, elle est mal placée. On va fixer ça. Très bien. T'as combien de force? D'accord. Nickel. Qu'est-ce qu'elle est devenue résistante, elle? Si je me mets là, peut-être à pouvoir faire une embuscade, peut-être comme ça. Oui, sa armure. D'accord.
Très bien. Ah, j'avoue que le Brisa Armor peut devenir intéressant pour pas mal de gens en fait maintenant. Là, il n'y a pas de poison. En train de réfléchir en fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, attends. Là, ça peut être intéressant ça. Là, avec le saignement qu'on a mis par exemple, si à cœur on lui fait la branche assassin, là ça ferait mal ça. Ça ferait très mal. Il a beaucoup d'armure, lui. Lui, il faut lui détruire la garde, en fait. Il a 42 de garde. 42%, c'est trop. Nettement trop. Ah ouais, quand ça a de la garde, c'est la merde hein, quand même. C'est bien de la merde quand ça a de la garde. Nos gros persos, enfin, on a déjà joué quelques-uns. Ouais, là, ils ont besoin d'aide en fait. Ont besoin d'aide. Je vais la jouer après parce que les animaux comme ça, à la fin du tour, c'est plus intéressant. Comme ça, on soigne tout le monde. On essaye de maximiser le soin en fait. Oh merde.
nous défonce pas notre sanglier parce que. Ça me ferait. Honnêtement, ça me ferait un peu chier. Après, je demande peut-être un peu trop au sanglier, mais. Ça va, lui, on peut le tuer. Voilà, très bien. Ok, la saloperie, elle va vite crever. À se faire bouffer par Nora. Je crois que c'est une mort sympa ou une saloperie. Ah si. Alors. On se rapproche, 100%. Très bien. Ça. Très bien. Très bien. Il reste plus que 8. Et ils sont tous plus ou moins bas en vie. Donc ça va. Bon, il y a ce sanglier là, il faut sauver. Attendez, excusez-moi une minute. J'ai mon fournisseur d'accès internet qui me gêne. Voilà, désactive-moi ça. Ah là là. Oui, hein. Toujours des problèmes. Bref. J'ai une fenêtre qui arrêtait pas d'apparaître. Oui, vous n'êtes pas connecté à internet. Oui, je sais. Ça fait 2 jours maintenant. Vous êtes en train de travailler sur la ligne, comme vous dites, comme d'habitude. Alors, je voudrais me concentrer sur ce sanglier, parce qu'encore une fois, je veux pas que le sanglier meure. J'ai un peu peur qu'on soit bloqué en fait avec le sanglier. Ah non. Je peux faire ça, je le donne à l'ours. Oula. Okay. Provocation. Voilà. Nickel. Un petit coup pour la route. Mais bon. Si ça vaut le coup de faire ça. C'est fiable.
Laquelle l'allée? C'est la. Ah, c'est la vieille. C'est celle-là qu'on va, en théorie, laisser tomber. Ou peut-être qu'on va manger si on la garde, comme j'avais dit. Ok, il y a 2 tours. Je peux. Non, je peux plus. Ok, on devrait pouvoir la tuer, le tuer. Ah, vas-y, fais voir. Il a beaucoup de gardes, encore une fois. C'est vrai, il a plus de protection, c'est bon. Nickel. Bien joué, les animaux. Bien joué. Toi, par contre, on va te finir parce que toi, tu m'emmerdes. Ouh, pas mort. Toi... Toi, t'as un peu le problème du coup maintenant. À la limite, comme ça, elle est supportée. Elle, adieu. Voilà, elle prend moins de dégâts. Même le critique, ça va. Même le critique, ça va. Très bien, les exploitants font sera désormais appelé à Acker le fourbe. Tu es dans le dos, 30. Acker le fourbe. C'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Là, on n'a pas fait trop d'ennemis du coup dans le dos hein, au final. On n'en a pas fait des masses. Alors, est-ce que... Ah, juste trop, hein. Juste un pas de plus, quoi. Pour pouvoir lui donner l'ordre d'attaquer, en fait. Ah, c'est con. Non. Vu que c'est des gens de l'histoire et tout ça, on risque d'avoir des bonnes récompenses. Nickel. Toi, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec toi? Toi, t'es méga loin. Peux pas lui de lui... Ah putain, ouais, non, mais on était trop loin. Non, non, je peux pas lui dire d'attaquer en fait. Bon, je crois qu'on a on va perdre encore un tour. Non, le poney, je l'ai joué. Oh! Ah, attends, si je me mets en embuscade, il va me défoncer la gueule aussi. C'est pas une solution. Non, c'est pas une solution.
Par contre, on peut faire ça. Ça va, ils sont réconciliés. Alors, embuscade s'éclenche quand cette unité attaque par derrière un ennemi engagé. Ok, on devrait être bon en fait, sur le côté. Voilà, nickel. Sur le côté, ça va pas déclencher en fait l'attaque. Bon, du coup, on a eu de la merde en fait. Cool. Cool. Ah. Alors, le critique, je pense qu'il n'en a pas vraiment plus besoin. Je pense qu'au bout d'un moment, genre 30%, on va laisser à 30%. C'est pas mal. Après, le déplacement, il est déjà bien. Donc, je dirais plus de dex. Pour plus de dégâts. Clé dorée. Clé dorée. Je sais pas du tout ce que ça ouvre. On a encore des choses à faire ici. Trouver et délivrer Coren. Ah, ok. On a encore des choses à faire dans la région. Donc, il y a sûrement une trappe. Clé dorée. Vous m'avez enlevé. Je jure que vous ferez prendre des queues. Vous avez tué Brenda à Lazare pour me délivrer. Mais n'étiez-vous pas son à son service? Non. Je ne comprends plus rien. Je veux sortir d'ici. Ça marche. Elle vient avec nous ou pas? Non, elle doit être à l'extérieur. Bonjour. Vous avez arrêté Bundle? Oh, elle est morte. Le conseil de Nekos ne va pas être ravi de gérer la crise diplomatique qui suivra ce décès. Cela dit, une telle ingérence de la part d'Alazar ne pouvait rester impunie. Quant à moi, je suis votre obligé à jamais. J'ai grâce à vos talents de nouveau une province prospère et une fiancée qui a toute ma confiance. Veuillez accepter cette récompense et j'espère à la hauteur de vos exploits et assurer que vous serez toujours les bienvenus à Vertrus. Honnêtement, c'est pas très cher. Pas très cher payé. Mais bon. Comme ça. Bon, ben voilà, on est des héros. Encore. C'est bien. C'est bien d'être des héros. Hop. Je pense que je vais la vendre, celle-là. Ça prend de la place. Ça prend trop de place. C'est pas vraiment intéressant. Comme j'ai dit, bon, c'est bien le coup de l'empoisonnement, mais enfin le critique empoisonné là, mais ah, attendez, est-ce que ça pourrait être vachement bien pour les rats? Maintenant que j'y pense. Les rats qui apparaissent. Et des choses bizarres là, il y a du poison partout. Genre ça empoisonne toujours les rats. Puis en plus c'est une AOE, c'est une zone de 2 mètres. Parce que cette arme, cette hache,
C'est pas une AOE. Ça a une allonge. L'attaque a une allonge. Mais tiens, du coup, c'est une attaque. Cette attaque a une allonge. J'ai jamais fait attention à cette description. Tiens, c'est marrant parce que là, il écrit des attaques d'opportunité. Et là, du coup, en fait, il nous met attaque d'opportunité, inflige 114% de l'attribut principal. Donc ça, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Rien d'autre, hein. Je crois qu'on n'avait rien du tout à faire. Du vin. Le problème, c'est qu'on est un peu lourd. On a un laissez-passer. Ça, c'est un lancier. Brut. Non. Épéiste malin et chétif. Chétif, non. Chétif, on prend pas. C'est combien? Ah, c'est l'influence qui nous fait défaut. On a combien de temps? Parce qu'en fait, j'ai envie d'aller farmer, honnêtement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors les rats, j'ai dit qu'on le fera après, ça, parce que c'est pas des trucs qu'on doit louper en fait. On a deux endroits de rats. Ouais, comme je dis toujours, les rats, faut pas, nous, faut pas qu'on les loupe, parce que nous, c'est difficile à chaque fois. Traquer la meute. Donner travailleur. On n'a pas fini donner travailleur et la meute. Donc on peut faire ça. Honnête travailleur. Et en plus, on a une mission juste à côté. Ouais, on va faire nos missions. Et honnête travailleur, là, il faut que je regarde ce que c'est. Voilà, le déplacement est rapide. Attends, comme ça, comme ça. Ok. Il y a le marqueur sur la map qu'on pourrait débloquer. Je crois que c'est un marqueur sur la map, je sais pas comment ça fonctionne en fait. Faudrait tester. Alors toi. Que puis-je pour vous, bah rien. Il y a cette carte là. Cette carte a l'air vraiment intéressante. Je crois qu'il y a je crois qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais faut la voler quoi. Non, pas toi. Est-ce qu'on a d'autres missions intéressantes ou pas? Facile, annuler. Non, il faut juste les faire. Ok, ça marche. Après, la taverne est de fin, non, le marché, la forge, on n'a rien à faire. L'apothicaire aussi, on n'a rien à faire. On va peut-être. On va peut-être pas exagérer avec la nourriture, non? On va peut-être arrêter de faire ça. Ok, on descend. C'est quoi ça, des bandits? Il y a des bandits là aussi. Avec un crâne. Intéressant. Oh, vite. Je vais arriver à l'ancienne Syrie. Je crois que c'est les gens qui sont cachés là. Alors, fais voir. On peut faire du bois ou pas? Non, pardon. Alors, bonjour à vous, mercenaires. Oh!
Vous savez qui on est? Eh oui, c'est cette guignard qui nous a balancé. On aurait dû lui trancher la gorge. Mais on va trouver un moyen de s'arranger, n'est-ce pas? Entre personnes de qualité, on se comprend. On vous offre un petit pactole et vous nous laissez quitter la province discrètement. La garde est débarrassée de nous. Il n'y a plus de place dans les prisons. Vous êtes riches et nous loin. Tout le monde y gagne. Alors attends, j'ai pas dû bien lire. On vous offre un petit pactole. On n'a pas dû bien se comprendre là. On n'a vraiment pas dû bien se comprendre. Les prisonniers ne sont pas enclins à retourner là d'où ils viennent. Ouais. On n'a pas dû bien se comprendre. 60 pièces? Non. Ah mais les salauds, ils sont équipés en fait. Les salauds. Ah putain, on est fatigué. Oh bon bah du coup, on leur fera moins de dégâts. Moins de dégâts. Oh non, on aurait dû dormir en fait avant de les combattre parce que là en fait ils vont bouffer nos rations. Oh merde. Merde. J'avoue, c'est mal joué. On va essayer d'en capturer le plus possible. Belle brochette. Ok. Ok. Ah, ils ont le serment des lâches. Très bien. On peut pas la capturer, elle. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah, ça fait chier d'être endormi. Mais ouais, comme je dis, c'est surtout le fait que les mecs vont bouffer mes rations, quoi. Putain. Ça m'emmerde. J'aurais dû faire ça.
Très bien. Je vais être honnête, on n'est pas super bien mis, hein. Boum. Falloir se désengager et partir là si jamais c'est un peu la merde. Parce qu'ils sont un peu paumés en fait. Attends toi. Stop. Il y a quelqu'un qui peut bouger. Toi, tu vas le tuer. Un peu de saignement. Hacker, il faut baisser leur vie, quoi. Hacker, il est un peu trop lourd. Ah, attendez, attendez, je peux. Hop là. Très bien. Évidemment. Évidemment. On va détruire son armure à lui. Nickel, on va pouvoir peut-être en attraper un autre. Lui, c'est un peu un problème. Au final, on va peut-être pas l'attraper. Peut-être le tuer à la place. Très bien. Ah, j'avoue, le coup d'avoir plein d'animaux aussi pour attraper les gens, ça aide beaucoup en fait. Si on peut faire plein de petits dégâts. On peut faire plein de petits dégâts. Et on peut engager avec les animaux, du coup ça nous laisse tous les humains pour faire les enlèvements quoi.
Maintenant, c'est la session où on enlève les gens. Alors là, il n'y a plus personne. Chut, 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 chut. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit, tout va bien. Attends, on va... Ah, je peux pas aller là. Ah, attends. Je vais faire ça. Hop là! Comme ça qu'on fait. Ah non! Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, là, ça s'appelle faire de la merde. Non, là, ça s'appelle faire de la merde. Ah pute. Elle, elle est à moitié de sa vie, on est d'accord. Elle est à moitié de sa vie. Donc elle, elle, je crois qu'on peut pas la prendre. On va tester. Non, je peux pas. Ok. C'est un peu bizarre qu'on pouvait pas prendre la chef. Après, peut-être qu'elle voulait vraiment pas, genre, elle c'est plutôt mort ou vif, quoi. Là, par contre, on est merdé, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est mort. Je peux même lui, je peux pas. Est-ce qu'à la limite, je peux passer à travers avec ça? Mais là, je passe à travers. Mais non, mais même là, je serais pas. Non. Voilà, je crois qu'on en a quoi? 3, peut-être 4. Engagement pernicieux. C'est assez bien d'engager avec ses bombes de fraîche fragilité. Un peu. 4. Ah tiens, expérience de pillage. Aldenal. Bon, ça c'est résolu. Ça nous fait chier quand même. Ça nous fait chier. Alors j'ai envie de tester un truc, je sais pas si on peut le faire. Alors, fais voir.
Ok, alors toi, tu t'arrêtes. Toi, tu travailles. Wilt. Le cochon les surveille. Dix pour cent. On va y arriver, hein. Je crois que vous avez compris ce que je veux faire. Ok. Alors, toi. Toi, tu vas fouetter ton pote, en fait. Tu vas fouetter ton pote. Ah. C'est comme ça que ça se passe ici. Vous nous avez dû donner du fil à retordre et vous prenez toute nos bou notre bouffe, enfin toute notre bouffe, façon de parler. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On devrait pas tuer un porc là. Puis en plus on a du. On a des gens pour porter. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ah, très bien. Ah, vous allez vous faire grignoter le cul si vous partez, hein. Mec, vous imaginez même pas. Ouh, ragoût de porc. J'avoue que ça tue. Yes, elle est confirmée. Yes. C'est bien, du coup, elle peut faire les grands trucs. Okay, cool. Donc, du coup, elle a gagné encore de la constitution. 6. On n'aura jamais besoin de lui augmenter la constitution, en fait. Toi, tu devrais te reposer. Du coup, toi, t'es obligé de travailler là-dessus. On est bon. On est bon. Donc ça, c'est activé sur le prisonnier. Ouais, c'est comme ça qu'on fait les choses ici. Allez, vous l'avez là. Et voilà. Alors, récupérer Taurus est soigné. De l'expérience en plus pour Orlin. La bravoure est pleine, troupes reposées, les rats ont eu un petit. Certains compagnons sont devenus pestiférés car leurs blessures et pestiférés n'ont pas été soignées. Et on est tous heureux. Et on a eu 8 viandes séchées. 4.
C'est vraiment bien, dis-moi. Alors fais voir un peu, vous avez passé une bonne nuit ou pas? Mais content d'être surveillé par les animaux comme du bétail et la troupe. Et en plus, il est devenu pestiféré. Coup de fouet. Si cette unité est fouettée de nouveau, elle perdra la vie. Ah ouais, carrément. Oh la vache. Contamination, il est contaminé et tout. C'est magnifique. Et vous avez passé un moment mécontent, enchaîné. Elle scrute les compagnons d'un regard noir. Et toi, tu passes un bon moment aussi à fouetter tes potes. Elle est bien nourrie, elle. Elle apprécie les gens, elle. Bon, elle est mécontent avec les animaux, mais elle apprécie les gens. C'est magnifique. Magnifique ce jeu. Ah putain, on a une mission juste là, fait chier. Je vais zapper ce détail. Ok. On a... Merde, je crois qu'on n'a pas fait de surprise, d'attaque surprise. C'est pas mal comme stratégie, non? Après, je me demande si la prison elle est pleine ou pas. Est-ce qu'on peut mettre 6 personnes? Après, si on met d'autres personnes... Les truands, ils ont tous la même gueule, c'est des truands. Mais d'accord. Ça passera, non? Il faudrait un tank. Ah oh, tiens. Non, c'est pas... Bah, ils ont tous la même gueule. Ah merde, c'est la fraternité. J'ai rien dit. Mais bon, bah ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas la même gueule. Bande de bombes. Il m'étonnerait que ça passe les trois là. Ouais, j'aurais dû me mettre là et tirer. Ah oui, j'ai eu. Non, c'est bien. Pas grave, fais n'importe quoi. Ça, il a encore de l'armure. Ouf. Pas mal. Luciel fait un putain de tank. Après, on lui met tellement d'armure. Quoique, non, c'est bien pour tout ce qui est poison et tout. Parce que c'est vrai que je lui ai mis
le marmiton, mais... Enfin, la constitution, c'est plus compliqué à augmenter, je pense. Hein, que la force, par exemple. Que la force, on peut... sûrement la mettre plus facilement. Enfin, déjà, on peut la mettre avec les renforts, les trucs comme ça. Donc, bon, c'est bien qu'elle ait beaucoup de vie, quand même. Parce que dans la tête, je me suis dit... Genre, elle a tellement d'armure. Est-ce que c'est utile qu'elle ait beaucoup de vie? T'es sérieux? Mais t'es fou, toi? Tu fais pas ça au... Tu fais pas ça au rat? On va les virer si s'ils demandent de s'enfuir. Ouais, attends. On va rigoler. Fou, 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 fou. Pêche sympa. Ah tiens, le rat là qui était en volonté et tout ça. Ouais non, du coup on l'a aidé. Enfin après, de toute façon, je crois que les animaux, quand ils font la volonté, c'est fini en fait. Enfin, ils le font une fois, mais ils sont pas en mourant. Je sais pas s'ils peuvent être en mourant, les animaux, je crois. Je vais être honnête, je crois pas. Ah, mais ça, c'est la frontière en fait. Par contre, il faut que je fasse une pause et je reviens. On va se mettre dans le camp. Qu'on le retire quand on dormira. Ok. Direction prison. Et ne passez pas par la case départ. Je suis en train de me dire on devrait voler des trucs. Il n'y a rien dans l'ancienne série, mais... Attends, je crois qu'on est obligé de passer par la ville principale. À la limite, on peut voler des choses vite fait. On voulait pas, genre, les objets pour réparer les armures. Par exemple. Qu'est-ce qu'il a, l'apothicaire? L'apothicaire. Ah, ça. 54. Là. Chaque fois une compétence inflige des dégâts, 30% chance de réduire les dégâts subis pendant 3 tours. Là, c'est pas mal ça. Faudrait après quelque chose qui fasse pareil, qui nous dépasse pas. Dépasse pas les 100. Mais ça m'étonnerait qu'on y arrive. Non, ça on jette. Ça m'étonnerait qu'on y arrive. Le marché peut-être.
Ok. C'est pas mal. Descendre. Oh, la caravane, comme elle est grande. Là, c'est une armée qui se balade. Complètement une armée. Très bien, c'est pas mal ici. Ouais, peut-être que je vais peut-être farmer ici en fait, à la place. Alors, vous avez retrouvé par le marteau de Sainte Lénède. Vous êtes encore plus efficace que la garde. Prenez cette récompense, vous l'avez largement méritée. Si vous en avez eu assez de, ou si vous avez assez de bonté pour en capturer certains vivants, vous pouvez vous adresser à mon compagnon pour toucher leur prime. 75, c'est pas beaucoup quand même. Alors, on en a fouetté quelques-uns vite fait. Hein, c'est pas. Ça arrive. Hein. Fallait bien qu'on s'occupe. Fallait bien qu'on s'occupe. Ok, on a toujours 10 chaînes. Peut-être les cordes. Ah, 30, ça va. Ça va, les mecs? Oh, ils nous ignorent. Oh non. Oh non, ils nous ignorent. Je me demande pourquoi. Ils n'ont pas passé une bonne. Ils n'ont pas eu une bonne expérience? Bah alors. Ah voilà, comme ça on peut directement faire ça sans passer par là. Sans passer par la grotte. Ok. Pourquoi est-on lourd? Alors, faut remettre les moutons, ça. Faut tout conduire. L'ours. Hop. Sanglier ici. On a encore un rat là. On a encore un rat perdu ici. Et là, il faut que quelqu'un travaille. Ça, Taurus a été. Ok. C'est bon. Donc, ouais, on a tué un sanglier. Du coup, on a un peu plus. Un peu plus de nourriture prévue. On est à 141. Aïe. Il va falloir qu'on vende de la nourriture, hein, je sens. Cent vingt-quatre, 640. On va devoir. Mettre des trucs partout. Faut absolument qu'on baisse notre poids. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Vous savez quoi? On a fait quoi? Ouais, ça serait un épisode super court, par contre, je crois. Pas super court, pas vraiment, mais. Alors, 25 sur 29. Donc, 1, 2, 3. Peut-être que ça compte pour 2. Il y a la traque fantôme à faire aussi. Là-bas, on a des mecs. Je sais pas trop. Peut-être qu'on va faire la mission qui nous reste là.
Genre celle-là, et on va s'arrêter. Et moi, je vais en profiter pour faire une petite pause et tout. Et essayer de récupérer, du coup, quelqu'un. Enfin, des nouvelles personnes. Et aussi gérer notre poids, là. J'avoue que notre poids est un peu abusé. On a 11 jours de nourriture. Je crois que c'est un peu légèrement abusé. Allez, ok. On va en récupérer un. Niveau 6. On va en récupérer un, parce que nous on a 3 laits. Trois laits et il nous reste plus qu'un. Un seul. Sanglier normal. Ça va. Très bien. Bon, voilà. En plus, il pourra porter. Très bien. Ah, j'aurais dû m'arrêter. Ah, ça va. Ça va, on fait très mal. Ouais, et comme ça il pourra porter. Mais il faut vraiment que je baisse mon poids là, parce que c'est un tout petit peu absurde. Je crois qu'on a quoi, 11 ou 12 jours de nourriture. Bon, après, encore une fois, c'est parce qu'on a beaucoup d'animaux. Hein. Donc, du coup, on transporte beaucoup, mais. C'est peut-être un peu exagéré, quand même. Hein? Et ceux-là, ils sont que niveau 6. Pas vraiment intéressant. Pas besoin d'en prendre plein, quoi. 89, très bien. Puissant quand même. Non, pas très puissant, c'est juste que bah, les trucs, voilà quoi. C'est assez impressionnant le fait qu'on puisse pas être OP par rapport à l'armure. Je trouve. Parce que c'est pas facile en fait d'en avoir des armures. C'est vraiment pas facile. Évidemment. Ah oui, et refaire les personnages aussi. Ouais, je pense que je vais prendre un moment. Farmer de l'argent, refaire les personnages. Ouais, je crois que ça va aider.
Et surtout trouver des gens que je veux là, parce que là c'est un peu la merde. Genre un bon épéiste là, ça serait bien. Surtout qu'ils sont apparemment niveau 4. Les trucs qu'on en rencontre, les gens qu'on rencontre. Donc, enfin, c'est un problème quoi, faut qu'ils montent de niveau. Après, on peut les mettre en entraînement, mais bon. Putain de merde. Alors, attends, on a un nouveau sanglier. Alors, élevage. Trait. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Ok. C'est bon le poids? C'est bon. Mille quatre cents de nourriture. Je pense que ça va. On a 2 700 d'argent. Ok, yes. Je crois que ça va pas marcher, mais oui. C'est une attaque surprise. Après, peut-être qu'on devrait acheter les livres là d'augmentation. C'est les livres d'habilité. On peut les avoir déjà moins cher. 150 au lieu de 300 au marché noir. Donc, hein, voilà. Mais surtout, c'est pas facile. Et au final, il y a peu d'habilités qu'on utilise. Quoique après, en ce moment, on n'a pas trop de problèmes, genre avec poison, feu, tout ça, donc. Donc oui, ça y fait. Et après, une fois que j'ai refait mon équipe. On fait les rats. On fait les rats, on fait les missions qui restent là, un peu spéciales. Ça a l'air pas mal. Putain. Ok, nickel. Prendre l'archer. Trop putain. Sans déconner. Ouais, ils font très mal. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Ah, ok. Ok. Ça a du sens.
Là, il devrait fuir là, non? Ah non, pas encore. Ah, cette boue. Pas faire grand chose. On va booster ces deux-là. Ouais, on va empocher notre prime et on va s'arrêter là. Au. Je sais pas si j'ai bien fait là par contre. Non. C'est de la merde. J'avais oublié la petite dague. Après, il y a un truc aussi, c'est que on a des habilités, mais qu'elles peuvent être augmentées, là, comme je disais, là. Mais le problème, c'est que on peut pas savoir tant qu'on teste pas les habilités, tant qu'on les a pas, en fait, sur le personnage. Parce qu'une habilité, elle peut être, genre, ok, et elle peut devenir, mais extrêmement puissante, en fait. Une fois augmentée. Donc je sais pas. Ça m'embête aussi un peu de pas savoir en fait ça. Que je vais pas payer 50 resets. Hein. C'est pas comme si je pouvais sauvegarder et charger la partie. Hein. Je vais peut-être essayer de me renseigner un peu sur internet, voir chaque amélioration, ce que ça fait. Pour éviter de devoir payer des 100 et des 1000. Mais bon, de toute façon pour le moment il y a... Peut-être un personnage. Il n'y a que notre voleur, je crois, que je veux vraiment changer. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Que notre voleur. Hop, du cuir. Nickel. Ah, je crois qu'il n'y avait que ça. que notre voleur. Après, il y avait des détails, je crois. Mais... Il y a un cœur qu'on peut changer pour devenir vraiment puissant. Genre on arrête l'écran de fumée comme j'ai dit, on fait victoire valeureuse, assassin. Et après là je sais pas. Là c'est le seul truc qui me m'embête. J'ai
J'aime bien le contrat mortel. Après, le poison de lui-même, c'est pas mal. Après, peut-être que la lame toxique, on peut déjà mettre poison dessus. Faudrait que je fasse des tests. Faudrait que je fasse des tests et je réfléchisse. Ah oui, il y a Orlin qu'on voulait peut-être changer aussi. Bon, ça c'est bien. La bombe, c'est bien. Mais Orlin, on veut peut-être lui mettre la fièvre. Ça peut être intéressant. Chaque fois que cette unité attaque une unité empoisonnée qui saigne ou qui brûle. Enfin, attends, unité empoisonnée qui saigne ou qui brûle. Donc faut que l'unité soit empoisonnée et qu'elle saigne en plus ou qu'elle brûle, c'est ça? Crois que c'est ça en fait. Sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être qui saigne, qui brûle, ou alors qui est empoisonné. C'est un des trois, en fait. Mais au final, plus je le lis, et plus je me dis que peut-être pas, en fait. Faudra voir pour être sûr. Ouais, non, on est bon là comme ça. Voyez, c'est peut-être. Ouais, faut voir. Ménafré est agréable. Et on a un nouveau rat. Qu'est-ce qu'il veut, Torte? Ce n'est pas normal que je tue autant d'ennemis que les autres prennent. Ok, ça marche, super. Enseigner. Voilà, tout le monde prend de l'expérience. Parce que Torte, honnêtement, t'as dû tuer trois personnes dans ta vie, c'est bon quoi. Peut-être pas exagéré. Ouais, genre là, le camp centre d'entraînement, on a 2400. Ben, je vais en prendre un. Hein. Honnêtement, je les volerai tous. Hein. J'aimerais tous les voler, quoi. Un peu chaud. Alors. Ouais, respécialisation, en vrai, que je teste. Honnêtement, je pense que peut-être que je les volerai. Si je fais ma session de farm, on verra de toute façon au prochain épisode. Si je fais ma session de farm, peut-être que je les volerai. Parce que j'emprisonnerai, j'attraperai des hors-la-loi et je ferai baisser ça. Et je ferai genre les prisons, les deux prisons qu'on connaît. De toute façon, on n'en connaît que deux pour le moment. Il y a celle-là. La prison de Vertruse. Et après la prison de Tiltren. Après là, il n'y a pas de prison, a priori. Apparemment, là, il n'y a pas de prison. Mais ouais. Je ferai peut-être ça. Ça va être un peu relou de jouer comme ça, mais bon, hein, comme ça. Ça fait quand même des économies. Hein. C'est 5 fois 300. C'est 5 livres, je crois, ou 3 livres? 5 livres, je crois. Donc voilà quoi. On va récupérer l'argent et on va s'arrêter là.
Nickel. La seule mission qui me reste à faire, c'est... Ouais, alors ça, ces trucs-là, je pense que je les ferai en vidéo quand même. Vendre 3 draps à Maraim. Ah, attends. Ça, j'ai jamais fait attention. Du coup, on les vend à n'importe qui, c'est ça? Genre, elle, ça marche? Ah non, mais c'est du tissu. Des draps? Un blage de sèche. Genre des draps comme ça là? Genre c'est de la marchandise? Vendre 3 draps à Marine. Commercer. Ouais, c'est ça en fait, d'accord. Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a comme commerce là? Non, on peut pas voir. Non, on peut pas voir. Et ça marche. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faut que je vire aussi du poids et tout ça. Faut que je refasse un peu le camp et tout. Donc ouais, on va prendre un peu de une petite pause. On va tout refaire. Enfin, on va tout refaire, on va refaire quelques trucs. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao!